Salut, salut les belles, salut les beaux, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end. Je vais vous faire une toute petite vidéo. Et c'est le week-end et on a le temps de s'hydrater, de faire des soins qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine parce qu'on travaille. C'est toujours un peu chargé, la semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit soin, un petit gommage de main, en même temps hydratant, que vous pouvez faire pour vos mains, pour vos pieds. C'est pas vraiment un gommage, c'est un adoucissant, mais en même temps qui peut vous gommer les mains et les pieds. Et c'est fait à base de bicarbonate, du citron et de l'huile d'olive. Alors pour faire ce petit adoucissant pour les mains et les pieds, vos pattes, et vous gommez les mains et les pieds avec, vous le gardez pendant quelques minutes pour pouvoir vous hydrater les mains, vous hydrater les pieds, adoucir vos mains, adoucir vos pieds. Et puis après, vous laissez reposer 5-10 minutes et après vous rincez, vous mettez votre crème hydratante et vous avez les pieds et les mains bien hydratés. Et aussi, vous n'oubliez pas de faire pour vos hommes, pour vos fils, les enfants s'ils veulent bien, ou leur proposer de le faire eux tout seuls. Parce que c'est toujours bon d'avoir, en tant que femme, qu'on a les mains douces, mais il n'y a rien qui dit que nos hommes ne doivent pas avoir des mains et des pieds tout doux aussi. Alors, pour faire ce gommage, on va préparer tout ça dans ma cuisine. Voilà, voilou, on y va, mes chéris. Coucou, voilà, on va faire notre masque. Notre masque, c'est pas un masque. On va faire notre adoucissant pour les mains. Alors, du bicarbonate dessous, comme je vous avais dit. Prenez la cuillère. Deuxième cuillerée. Vous voyez bien, c'est le bicarbonate alimentaire. Hein. Voilà. Une cuillerée d'huile d'olive. Et la moitié d'un citron coupé. Voilà, on met de côté et j'enlève aux graines. On met tout ça à côté. Voilà la pâte que vous obtenez. Avec ce pâte-là, vous gommez les mains et vous laissez reposer 5-10 minutes. Vous gommez bien les mains, vous frottez bien les petits yeux là, les interstices, vous frottez bien vos mains, bien, bien, comme il faut, pour enlever, pour vous faire des mains toutes douces, ainsi que les pieds, vous faites aussi la même chose. Voilà ce que ça donne. J'enlève la cuillère pour vous montrer. Voilà. Voilà la pâte que ça donne. Et après, vous laissez reposer sur vos mains, vous prenez des gants. Quand vous mettez sous vos mains, vous avez fini de bien frotter, vous prenez des gants et ces gants-là, vous enfilez vos mains dedans. Tout est expliqué dans la vidéo et vous laissez reposer 10 minutes. Et comme ça va permettre à l'adoucissant de bien pénétrer dans les pores cutanés, de bien vous hydrater les mains, de bien vous adoucir les mains, de bien s'imprégner dans votre peau, ainsi que les pieds et les mains. Alors, voilà. Alors, si la vidéo vous a plu, eh bien, merci de partager, de liker, de mettre des commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous mes anciens abonnés et merci aux personnes qui vont s'abonner. Merci beaucoup. Et puis, je vous fais des gros bisous, les beaux et les belles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.